Si on réalisait l'aldolisation croisée ou mixte de cette cétone, la pentane de Hohn, avec cet aldéhyde ici, le butanal, on obtiendrait un mélange de produits, puisque ces deux composés carbonylés sont tous les deux énolisables et ils vont pouvoir réagir comme nucléophiles ou comme électrophiles dans cette réaction. Et si on souhaite obtenir de manière spécifique ou en tout cas nettement majoritaire cet alpha-énone ici, qui est vraiment le produit de l'aldolisation croisée de ces deux composés carbonylés, eh bien c'est possible en adaptant les conditions opératoires et en réalisant cette réaction en plusieurs étapes qui sont détaillées ici, en ajoutant d'abord du diisopropylamidure de lithium sur la pentane de Hohn, puis en ajoutant l'aldéhyde, en ajoutant ensuite de l'eau dans le milieu, et enfin en ajoutant l'acide paratoluène sulfonique comme source de protons. Et si on travaille avec ces quatre étapes, on peut obtenir de manière nettement majoritaire cet alpha-énone. On va voir dans cette vidéo ce qui se passe au cours de ces quatre étapes. Donc on va commencer par ajouter du diisopropylamidure de lithium sur la pentane de Hohn. Donc voilà ici la pentane de Hohn, à laquelle on va ajouter donc la base forte diisopropylamidure de lithium qui va pouvoir déprotoner cette cétone. Alors déjà je vois que j'ai deux carbones en alpha, j'ai ce carbone en alpha ici, et ce carbone en alpha ici. Celui-là il porte deux protons en alpha, celui-là il en porte trois. Et on a vu dans une vidéo précédente que l'utilisation du diisopropylamidure de lithium comme base pour former l'énolate permettait d'obtenir l'énolate cinétique, c'est-à-dire celui qui correspond au proton en alpha arraché sur le carbone le moins substitué, le carbone sur lequel on a le plus de protons en alpha, c'est-à-dire celui-ci, celui que j'ai mis en violet. Donc je vais dessiner un proton en alpha sur ce carbone ici, et je vais dessiner ma base avec mon atome d'azote, mon lithium et les deux groupements isopropyles. Et une des manières d'écrire le mécanisme, c'est de le faire sous cette forme avec un mécanisme cyclique concerté à 6 centres. Avec formation donc d'une liaison entre l'azote et l'hydrogène, puisqu'on a une réaction de déprotonation ici, et en parallèle de l'oxygène avec le lithium. En ce qui concerne les mouvements d'électrons dans cette réaction, on va avoir ces électrons ici que je mets en violet qui vont venir se rabattre ici pour former la liaison azote-hydrogène. En parallèle, les électrons de la liaison carbone-hydrogène ici vont venir former une double liaison carbone-carbone ici. Et on va envoyer les électrons pi de la liaison du groupe carbonyle-carbone-oxygène entre l'oxygène et le lithium. Donc voilà pour ce mécanisme concerté à 6 centres. Donc c'est une des façons d'écrire le mécanisme de cette étape de déprotonation. Et je vais obtenir comme produit l'énolate de lithium avec ma chaîne à 5 carbones, mon oxygène maintenant lié au lithium et une double liaison carbone-carbone. Et le LDA m'a donné maintenant une amine. Et si je suis mes électrons, donc les électrons ici que j'avais en violet, qui sont maintenant dans cette liaison azote-hydrogène, les électrons ici que j'avais en orange, que je retrouve au niveau de la double liaison ici, de cette liaison pi, et les électrons qui étaient au niveau de la liaison carbone-oxygène ici en vert clair, comme liaison entre l'oxygène et le lithium. Donc voilà les produits que j'obtiens suite à ma réaction de déprotonation par action de la base LDA, diisopropylamidure de lithium, sur la pentane de Hohn. Donc j'ai bien obtenu l'énolate cinétique, et d'ailleurs si j'avais arraché un proton sur ce carbone ici, j'aurais obtenu l'énolate qu'on appelle thermodynamique. Donc voilà l'énolate que j'obtiens. On va voir maintenant la deuxième étape de la réaction. Donc j'ai réécrit ici l'énolate. Et donc la deuxième étape de la réaction consiste à ajouter dans le milieu le butanal. Donc je dessine ici ma molécule de butanal, donc ma double liaison carbone-oxygène, et j'ai une chaîne à 4 carbones, 1, 2, 3, 4, comme ceci. Et le butanal, c'est donc un composé avec un centre électrophile, puisque ma liaison carbone-oxygène, elle est polarisée, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, j'ai donc une charge partielle négative ici, une charge partielle positive sur le carbone. Mon énolate de lithium va lui réagir comme nucléophile. Et de la même manière, je vais également avoir ici un mécanisme concerté cyclique à 6 centres, avec la formation d'une liaison entre cet oxygène et le lithium, et entre ces deux atomes de carbone. Au niveau du mouvement des électrons, je vais avoir les électrons ici qui vont venir former une liaison carbone-carbone ici, donc c'est là que j'ai mon attaque nucléophile de l'énolate sur le centre électrophile ici, le carbone électrophile du butanal. En parallèle, les électrons pi ici vont venir former la liaison entre l'oxygène et le lithium. Et les électrons entre l'oxygène et le lithium ici vont venir se rabattre sur la liaison carbone-oxygène et on va retrouver une double liaison carbone-oxygène ici. Donc le produit de ma réaction, je vais maintenant avoir une chaîne carbonée linéaire à 9 atomes de carbone puisque je vais avoir une liaison qui s'est créée ici
entre ces deux chaînes linéaires. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atomes de carbone. Ici, je retrouve un groupe carbonyle. Et sur ce carbone ici, l'oxygène qui est maintenant lié au lithium. Et si je suis les électrons, je retrouve les électrons ici en violet qui étaient au niveau de la double liaison carbone-carbone impliquée dans cette nouvelle liaison carbone-carbone qui s'est formée au cours de ce mécanisme concerté. Ici, les électrons de la liaison carbone-oxygène que je retrouve entre l'oxygène et le lithium. Et enfin, les électrons ici en vert clair que je retrouve comme électrons pi au niveau de la double liaison carbone-oxygène ici. Et là, j'ai obtenu un intermédiaire alcoolate de lithium. La troisième étape ensuite, à partir de cet alcoolate de lithium, ça va être en fait une étape de protonation de cet alcoolate pour obtenir un aldol avec l'ajout d'eau dans le milieu. Donc ici, j'ai redessiné mon alcoolate de lithium sous une autre manière. Au lieu d'écrire une liaison covalente entre l'oxygène et le lithium, j'ai ici écrit l'oxygène avec une charge formelle négative et le lithium avec une charge formelle positive. On peut utiliser en fait l'une ou l'autre des écritures, sachant que la liaison oxygène-lithium est en fait une liaison avec un caractère ionique très important et qu'il est possible de l'écrire soit sous forme covalente, en sachant qu'elle est très très polarisée, soit carrément sous la forme ici avec les deux atomes oxygène et lithium qui portent des charges formelles. Donc cette troisième étape consiste à ajouter de l'eau dans le milieu pour protoner cet oxygène ici. Donc je vais avoir un double anion ici qui va venir récupérer un proton de la molécule d'eau et en parallèle, je vais envoyer les électrons de cette liaison ici sur l'oxygène. Et je vais donc obtenir un aldol avec une chaîne carbonée à 9 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai toujours mon groupe carbonyle. Et ici, maintenant, j'ai donc l'oxygène qui est lié à un hydrogène. Et j'ai formé en parallèle HO-. Et si je suis mes électrons, donc les électrons en bleu ici que je retrouve dans la liaison oxygène-hydrogène ici. Et les électrons en rose de la molécule d'eau ici, que je retrouve comme double anion liant au niveau de mon anion hydroxyde. Et à partir de cet aldol, la quatrième étape, ça va être l'ajout d'une source de protons. Donc j'ai redessiné mon aldol ici. Source de protons apportée sous la forme d'acide paratoluène sulfonique, APTS. Donc là, je vais simplement écrire H+. Je vais redescendre un petit peu. Donc cette dernière étape, avec la mise en présence d'une source de protons, l'objectif, ça va être d'avoir une réaction de déshydratation pour passer de l'aldol à mon alpha énone conjugué que je souhaite obtenir comme produit de ma réaction. Donc on avait vu dans des vidéos précédentes ce mécanisme de déshydratation en milieu basique, catalyse basique. Ici on va voir le mécanisme en milieu acide. Donc le principe ça va être qu'on va avoir d'abord une protonation de cet oxygène ici du groupe OH de l'aldol pour obtenir donc ma chaîne carbonée à 9 atomes de carbone, ici mon groupe carbonyle et là l'oxygène avec deux hydrogènes et une charge positive. Et j'ai donc la formation d'un très bon groupe partant H2O. La réaction suivante, ça va donc être le départ de ce groupe H2O avec ce mouvement d'électrons ici. Donc j'obtiens un carbocation, avec toujours la chaîne à 9 carbones et le groupe carbonyle, avec donc au niveau de ce carbone une perte d'électrons, donc une charge positive. Et l'étape suivante, ça va être l'intervention d'une base dans le milieu. Donc là, je vais mettre de façon générique B avec un double anion liant. Ça peut être par exemple une molécule d'eau qui reste de l'étape 3 précédente où on a ajouté de l'eau dans le milieu réactionnel. Et cette base ici va venir arracher un proton du carbone en alpha ici pour permettre de former une double liaison entre ces deux atomes de carbone. Donc je vais avoir cette base ici qui va venir récupérer ce proton. Et en parallèle, je vais envoyer les électrons de cette liaison sur cette liaison carbone-carbone. Et j'obtiens bien comme produit de ma réaction une alpha énone conjuguée avec ma chaîne linéaire à 9 atomes de carbone, ici mon groupe carbonyle et là une double liaison entre ces deux atomes de carbone. J'ai formé également l'acide conjugué de la base. Et si je suis juste mes électrons en bleu ciel, je vais retrouver ici ces électrons qui se sont rabattus sur la liaison carbone-carbone comme électrons pi au niveau de cette double liaison carbone-carbone. Et j'obtiens bien l'alpha énone conjuguée que je souhaitais obtenir au départ. Donc voici donc un exemple d'aldolisation croisée ou mixte, contrôlée, dirigée, avec des conditions opératoires particulières qui nous permettent d'obtenir de façon très majoritaire ce produit ici, cet alpha-énone conjugué.